Elle n'a pas pris la parole depuis le terrible accident de la route causé par Pierre Palmade. Mais ce jeudi 9 mars, Muriel Robin est sortie de son silence. Sur ses comptes Instagram et Twitter, l'actrice et humoriste n'a pas défendu son amie depuis plusieurs décennies mais a réagi à une actualité la concernant. Bonjour, il est important pour moi de vous informer que la couverture de Paris Match ainsi que l'article à l'intérieur du journal ont été faits sans me concerter, donc sans mon accord. Muriel, a simplement écrit la compagne d'Anne Le Nain, en légende de la une de nos confrères, intitulée Affaire Palmade. Muriel Robin, le cas de conscience. Dans cet article, Paris Match s'attarde sur la réaction de la comédienne depuis le terrible accident de la route de Pierre Palmade, qui a blessé trois personnes. En découvrant les résultats des analyses toxicologiques de Pierre Palmade, Muriel Robin aurait été écœurée. Il est soi-disant malade. Mais il n'a jamais vraiment voulu se soigner, aurait-elle lancé avant de lui rendre visite à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où elle lui a lu une lettre incendiaire, lui disant que cet accident était de sa faute. Selon nos confrères, Pierre Palmade est l'un de ses amis de 30 ans, qu'elle considérait également comme son fils spirituel, et qu'elle avait essayé de détourner de ses démons, en l'aidant à se recentrer sur son travail, son talent, et en essayant de le raisonner, de le comprendre. Dans les couloirs, elle a aussi croisé la famille que son ami avait brisée. Elle a fondu en larmes dans leurs bras, ont écrit nos confrères, rapportant que la comédienne se serait presque sentie coupable et de ne pas avoir pu éviter le drame. Muriel Robin est défaite depuis l'accident de Pierre Palmade, Muriel Robin et Anne Le Nain sont murées dans le silence médiatique. Elles ont toujours été là pour lui, si est-il comme une seconde mère pour lui. Sa réaction de mère si est-il d'y aller, elle se retrouve dans ce hall d'hôpital sans même savoir s'il est responsable. Quand les analyses toxicologiques tombent, elle est défaite, assurait Benjamin Lacoge, rédacteur en chef du service culture de Paris Match sur le plateau de Cet à vous. Selon lui, Muriel Robin ne peut pas imaginer que son Pierre, l'homme qu'elle a tant défendu, tant aidé, puisse avoir encore fait une connerie, tant qu'il se faisait du mal à lui-même c'était son problème, là elle lui en veut à vie.